Ah, Aveline. Pour débusquer Ulloa, il faut frapper le point faible des Espagnols, leur flottille. Deux vaisseaux militaires mouillent au port. Si quoi que ce soit devait leur arriver, Ulloa en serait averti. Je vais lui faire passer le message. Reste où tu es. Vite, elle s'enfuit. Elle va s'échapper. Elle va s'échapper. Me reconnaissez-vous maintenant, capitaine? Non. Fury! Harpie! Méduse! Garde! Arrêtez-la sur le champ! Let's go.
Je vous en supplie, ayez pitié. Je vais me ranger. J'aurai une croix sur la bière et le torboyau. Je ne courrai plus les jupons. J'irai à l'église. Par pitié, abandonnez-moi à mon triste avenir de moine. Vous devez me confondre avec votre juge et bourreau, frère Dominguez. Fuyez, si l'alcool vous permet encore de marcher. Mon élève, tu as sans doute pu constater que les rebelles sèment le chaos. Un plan germe dans mon esprit, mais nous devons agir sans tarder. Pour recevoir tes nouveaux ordres, viens me retrouver au cimetière, mon dernier refuge dans cette ville. Fais vite. Aveline, ton visage se fait rare dans le bayou. Tu n'as plus besoin de mes enseignements ? Je suis venue dès que j'ai reçu votre message. J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que tu rejoignais les... Non. Oublie cela. Serais-tu prête à prouver ta loyauté à ton vieux mentor ? Je n'ai rien à prouver, Agathe. Je suis loyale. Que dois-je faire ? J'ignore ce que toi et Monsieur Blanc avez mijoté. Mais dorénavant, il est clair que les émeutes vont forcer Ulloa à quitter la balise afin de négocier un accord de paix. Notre heure est venue. Une fois le ravisseur mort et l'ordre rétabli, ma mission sera accomplie. Je trouverai enfin la paix. Il n'y a qu'une seule issue pour le gouverneur. Les autres sont barricadés ou en proie aux flammes. Prépare une embuscade et assure-toi de frapper au bon moment. Trouve-le et tue-le. Ce sera fait. Tout ce qu'il me faut pour une embuscade.
suis bloqué! Il n'y a pas d'issue! Pitié! Épargnez ma femme et mon enfant! Tout comme vous avez épargné les esclaves et les ouvriers que vous avez arrachés à leur famille! Oui! Ils sont sains et saufs! Ils ont juste été transportés au Mexique! Au Mexique? Dans quel but? Je l'ignore! Je ne suis que conseiller! Pitié! Mon épouse ne sait rien! Elle pense que les convois transportent des criminels afin de désengorger les prisons! Je vous jure qu'elle est innocente! Laissez-moi me racheter! Vous ? Mais vous ne savez rien. Je suis un homme de science. J'ai mené des expéditions similaires dans tout le sud du pays. La région regorge de reliques datant d'avant l'époque des Mayas. En outre, je peux vous offrir ceci. Elle permet de déchiffrer des documents secrets, comme celui-ci. Je vais m'en aller maintenant, alors écoutez. Si vous tenez à la vie, vous quitterez ce continent et vous n'y remettrez jamais les pieds. Merci. Merci de m'avoir épargné. Épargné ? Je ne vous ai pas épargné. Je vous laisse faire face au courroux de vos employeurs. Vous passerez votre vie à vous cacher. Partez et complaisez-vous dans cette fausse liberté. As-tu réussi ? Le gouverneur Ulloa m'a remis ce trophée. Une précieuse découverte. La mort d'Ulloa est une victoire inestimable pour les assassins. Je regrette juste de n'avoir pu y assister. Dis-moi, quelles furent ses ultimes paroles ? Merci de m'avoir épargné. Comment ? Quoi, il est encore vivant ? Est-ce ainsi que tu choisis de me prouver ta loyauté ? En refusant d'obéir à un ordre direct ? En laissant notre ennemi s'enfuir ? Mentor, ne laissez pas la haine vous aveugler. Nous avons les mêmes objectifs. Libérer les esclaves, vaincre nos ennemis, faire prévaloir la justice. Nous avons désormais les outils pour accomplir notre mission. Je dois suivre nos ennemis au Mexique, maintenant. Il n'en est pas question ! Si vous vous y opposez, je n'obéirai qu'à mon seul instinct. Dis-moi, qu'est-ce qu'un assassin sans discipline ? Tu regretteras ton insubordination. J'en prends le risque.